samedi matin. Samedi matin, 6h, je me suis levé pour. Là, on a rendez-vous à Lausanne, à l'aquarium public. Je vous emmène avec moi, normalement une petite interview qui est prévue, on va être petite visite. Je remercie le caméraman qui est derrière, qui m'accompagne. Je lui ai fait le veto aussi, juste pour vous. Normalement, le son de cette vidéo sera un peu mieux. Bon, voilà, j'ai pas mis les micros parce que ça va, non, en voiture, calmez-vous. Mais déjà, on va se retrouver là-bas. Allez, je vous emmène. Bon, on est enfin arrivé après 1h30 de route. Bienvenue chez Aquatis. Je vais attendre le reste du groupe qui m'ont invité. On va aller boire un café, je pense. C'est déjà pas mal pour commencer parce que je suis fatigué. Je suis jamais venu ici, ça va être full découverte. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, abonner, likez vous. Likez moi, ce serait déjà pas mal. Ciao. J'essaie de faire comme je peux en gérant entre la visite, ce que j'entends à mon oreille, vous expliquant aussi le maximum que je peux. C'est assez complexe, là vous ne voyez plus. T'as les gars. Oh. Wow. Des surgeons. Là on voit ces poissons du lac de Genève. On voit beaucoup la tanche. La ferra, ce qu'on appelle une ferra là. Ça. Un poisson qui est souvent pêché dans nos régions. Magnifique aussi. Hein. On arrive sur la partie récifale après, les gars, on se promène un peu. Du coup, là, les gars, on est sur un bac de 35 ml à peu près. On peut voir les deux broussettes qui se trouvent là, où on passe dans l'amphore. Avec le bébé roussette qui passe juste en dessous, là, qui vient de naître, à peu près à l'âge de 6 mois. Et les rascasses.
reçus qui sont interdites en France. En Belgique, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous regardent et vous avez le droit sur vos permis. En France, on peut en avoir, mais il faut des SP, il faut avoir des autorisations. Il ne sert à rien en bas, regarde. Juste ici. Franchement, ça me rappelle mon enfance. C'est mon premier bac à qui j'ai commencé, un bac à cichlidés. C'est des poissons qui jouent bien avec le saumon. J'aime bien le voir, regardez. Ça, c'est pas les pompes, c'est eux qui s'amusent à creuser, à faire tout leur nid comme ça. C'est des poissons qui vivent vraiment dans le sable, au milieu des roches, dans des lacs comme ça, c'est magnifique. Regarde, regarde-moi cette couleur. C'est d'une beauté. Ça me fait tout bizarre, la vache. Attends, regarde la partie technique, regarde la pompe. Ah, vous mettez ça dans votre brassage, dans l'aquarium, les gars, je suis pas sûr qu'il vous reste beaucoup de litres. C'est impressionnant. Les coraux sont en chasse, c'est magnifique. Il y a une reine qui se cache dedans, la raie là-bas. J'ai pas le nom, il faudra que je lui demanderai, je vais choper le nom. Elle est élevée ici, c'est une femelle. Elle mange à la main, ce qui va être impressionnant. Il y a une murène ici qui va s'emballer par là, on va voir si on arrive à la trouver. Là, on va vraiment bien voir les colastrea. On voit un peu de filles qui se rendent pas là. Excusez-moi, ils sont un peu partout. Magnifique labre. Concombre de mer. Là, on peut fumer les entacmes à la croix des colas. On va aller voir un peu plus après. Ouais, c'est ça, l'arbre de Kenya. Tout à l'heure, il y a un beau mandarin qui passe. Tepna. Magnifique. Alors, comme il disait, ils n'ont pas plus de coraux que ça parce qu'ils veulent changer tout ce qui est éclairage et compagnie afin de mettre des coraux qui sont un peu plus connus chez nous en aquariophilie. Et là, ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Du coup, ils préfèrent mettre des coraux qui peuvent, eux, élever et donner des bonnes conditions à ça. Regarde, donc là, on est sur un beau bac aussi. Là, les hépatus, toute la famille des chirurgiens. Il y a un bateau, regarde l'arrêt. Les Antillas qui se ramènent. Du Zorantus, on voit les herbes du Kenya, à côté je vois du Colastrea avec pas mal de Antacmea. On voit bien, c'est magnifique. Donc là, les piquets, on est vraiment sur la partie profonde du bac avec le bateau qui est devant. Voilà, on laisse passer un peu de monde, on ira filmer après. Mais regardez cette beauté, c'est vraiment magnifique. Ah, un Darwini, un Fifrion Darwini tout seul qui se promène. Magnifique. Merci de cette visite, Ludovic. Oui. Merci beaucoup de cette visite qu'on a fait. Vous avez vu les images avant, les vidéos que j'ai pu essayer de filmer. C'est très bruyant. C'est un peu compliqué. Vous n'avez pas toutes les informations. Franchement, c'était vraiment de qualité. Avec ton collègue, c'était juste top. On a appris beaucoup de choses et sur beaucoup d'espèces. Parce que quand on est chez Aquatis, il n'y a pas que des poissons. Ou pas que des récifaux, poissons récifales, comme vous voulez. Il y a plein d'autres choses à voir. Je vous invite à aller voir si vous êtes de la région suisse déjà, ce serait pas mal, vous découvrez quelque chose de bien. Et il a accepté de répondre à quelques questions du coup, pour vous les partager aussi en même temps, pour avoir d'autres réponses et d'autres vues de professionnels ou quelqu'un qui travaille dans un zoo, ça peut être super intéressant. Et j'avais une question qui était un peu, je pense que tout le monde se posait, est-ce que vous avez des problèmes techniques, mais je pense cyano, dinoflagellés, des conneries comme ça, quoi. Nous, quand on subit, on est là, oh, c'est la panique totale. Est-ce que dans des tels litrages, ça se produit? Alors, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde aura vécu à un moment donné. Et les litrages qu'on a ici ne nous mettent pas du tout à l'abri. Après, à quel point on les considère comme des fléaux ou pas, ça c'est aussi une bonne question. Parce que des algues, des environnements comme ça, ça fait partie de l'équilibre qu'on a dans un milieu naturel. Donc, on ne va pas forcément vouloir absolument toujours enlever ce qui est présent. Parce qu'on pense aussi un peu en termes d'écosystème, on ne tente pas juste une vitrine. Oui. On a aussi le côté vivant. Quel est l'impact de cet objet, de cet animal, de cette plante sur le reste du vivant? À quel point est-ce qu'il est bien dans l'équilibre de l'aquarium ou pas? Et du coup, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Après, bien sûr, c'est vrai que tout est une question d'équilibre. Quand il y en a trop, il faut faire quelque chose quand même. Mais on va essayer de la faire de la manière la plus délicate possible parce qu'on ne peut pas commencer à se dire on va mettre un produit, n'importe. Donc, on va essayer de rééquilibrer beaucoup parce que, par exemple, typiquement pour des cyanos, des choses comme ça, ce sera rééquilibré des équilibres bactériens, des équilibres justement de nutriments dans l'eau, de luminosité, et du coup, qui vont permettre de gentiment arriver au bout. Plusieurs aquariums en ce moment sont en train d'être refaits, notamment les substrats, qui permettent du coup aussi de
d'enlever certaines matières qui colmateraient en suspension et autres. Et donc refaire un peu quelque chose de propre pour la suite, des substrats plus faciles à entretenir, qui vont être beaucoup plus adaptés pour la... Dans la partie technique, vous en parlez un petit peu, ça je vous commenterai en voix off, vous l'avez vu normalement avant, mais la partie technique c'était vachement bruyant, de toute façon ce sera que de la voix off, je suis désolé. Mais oui, c'était expliqué dans la partie où vous voulez changer, on met des nouilles et virer ces... Oui, par exemple, évidemment, il y avait des éléments de... Billes qui finalement, suivant la qualité, l'orage, etc., peuvent relarguer des éléments qui ne sont pas forcément agréables dans l'eau, surtout dans des endroits qui sont peut-être plus délicats, comme un récifal. Donc du coup, le but c'est effectivement de changer de méthode pour être sûr que ce soit inoffensif le plus possible pour le reste de la... Et puis neutre aussi, parce que si on commence à mettre un élément qui va changer, on a ça beaucoup dans des aquariums aussi d'eau douce, où tout d'un coup certains sols techniques peuvent changer des paramètres de l'eau au fur et à mesure. Et du coup, pour certains animaux, ça ne change rien, pour d'autres, c'est une catastrophe, oui. Surtout dans un zoo où chaque biotope est bien... Oui, et puis vous avez une énorme inertie, donc le temps de se rendre compte d'un truc, ça peut être compliqué, parce que c'est des volumes gigantesques, donc... D'accord. Et vous pouvez pas dire, demain, on change. Et question bête, problème technique pur, une pompe qui lâche, panique. Ça peut arriver au quotidien, enfin, normalement pas, mais typiquement, il y a des gens qui sont dans le service de maintenance, typiquement juste pour la technique, parce que c'est un travail tout le temps. Puis il y en a un, il avait une jolie métaphore, il disait si la salle des machines est le cœur de l'aquarium, moi je suis son cardiologue. Et c'est vrai qu'effectivement, il veille au bon entretien des pompes. On a certaines pompes qui sont même très puissantes, qui sont peut-être trop par rapport à ce qu'il y a besoin. Donc on peut aussi après changer des pompes pour qu'elles soient plus adaptées au débit, au volume, etc. Donc, puis bien sûr, des éléments qui s'usent avec le temps, bien sûr, il faut changer. Il y a des choix qui ont été faits, qui ont été mis en place. Aquatis a maintenant quelques années derrière lui, donc il faut aussi upgrader. Ouais. Les technologies qui changent. Et contraintes aussi. Voilà, et du coup, les mettre toujours au meilleur profit pour les animaux, c'est bien. Puis il y a les contraintes aussi, je pense, du coup, techniques. Bien sûr. L'énergie, on en plein dedans. Évidemment, ça, c'est un secret pour personne que l'énergie augmente partout. L'énergie est extrêmement demandeuse pour ce genre de lieu. Et du coup, il faut faire attention parce que, si possible, pas qu'une facture explose, c'est bien aussi, mais aussi simplement, il y avait à un moment donné la menace des coupures. Oui. Comment on gère ? Déjà, pour les particuliers, ça peut être inquiétant. On imagine ici les volumes. Vous avez donc, groupe hétérogène, je suppose que gros groupes, même pas. Il y a même quelque chose d'encore mieux, c'est que, étant donné que c'est des animaux dont il est vital de maintenir ça, les associations Zoo Schweiz, notamment, dont fait partie Aquatis, donc qui sont avec plusieurs zoos scientifiques de Suisse, on regardait un petit peu aussi avec les autorités pour dire techniquement vous seriez pas vraiment dans les normes si vous coupiez le vital de ces animaux, même de manière temporaire. Du coup, heureusement, il y a les gros aquariums ou les zones comme ça ont eu un petit peu une petite protection quand même. Alors, ce serait logique. Cet hiver, on a eu beaucoup de simplicité simplement parce que on n'a pas de coupures qui se sont mises. Donc, heureusement, les particuliers sont aussi très contents, bien sûr. Ça fait peur. Mais effectivement, c'est des grosses questions qui se mettent en place. La peur venait de politiquement, mais ça ouvre aussi quelque chose sur l'environnement. C'est quelque chose qui peut vouer à... qu'on a pu connaître dans 20 ans, ces questions-là, outre que tu as quelque chose de politique qui déclenche cette peur qu'on a eue là. Mais l'environnement, ça change énormément. Enfin, ça se voit, on est en février... Il fait pas froid, il fait bon, l'eau elle est basse, dans les montagnes il n'y a pas de neige, ça va pas du tout, et ça, l'électricité en fait partie aussi, c'est important peut-être, ça va plus ouvrir aux yeux certains particuliers, aux professionnels aussi, qui ont un vrai danger derrière, et peut-être prendre conscience que c'est aussi important finalement de s'atteler à cette protection-là, et que ce soit pour maintenir des animaux qui sont en voie d'extinction, ou pour des études, des recherches, pour les hôpitaux, pour plein de choses. Et je trouve ça finalement un mal pour un bien, surtout qu'il n'y a pas eu de casse parce qu'il n'y a pas eu de coupure, donc tant mieux, on va pas se plaindre. Mais ça peut ouvrir aussi les yeux du coup sur un vrai problème qu'on puisse avoir dans quelques années. Oui. Et souvent, ce qui est dommage avec l'humain, c'est qu'il faut qu'il arrive devant un mur pour prendre conscience. Et l'un des le message de base d'Aquatis, par exemple, entre autres, c'est que nos écosystèmes d'eau douce, c'est très très peu. Hein. Ouais. C'est moins d'1% de l'eau de la planète qu'on peut utiliser, donc c'est très 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 peu. Et en fait, c'est un écosystème fragile, délicat, et on l'utilise toujours plus.
de manière pas forcément super partageuse avec le reste de des espèces qui nous entourent. Et donc là, un des messages qu'on a, c'est que c'est précieux, on peut tous faire attention, mais il y a aussi des décisions internationales qui doivent être prises parce que c'est complexe. Et puis, du coup, ça s'amenuise notre eau douce, ouais. Même en Suisse. L'année passée, c'était un exemple flagrant. Donc, il faut qu'on fasse tous attention à ces milieux-là et qu'on puisse... Oui, sur nos rivières, c'était catastrophique. Personnellement, j'ai participé dans ma région avec beaucoup de pêche, le sauvetage dans nos rivières parce que il n'y avait plus d'eau. Et t'as peut-être pas un gros impact pour ceux qui s'en foutent, mais il y a beaucoup de vie dans nos rivières et que ça apporte... Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui n'a pas une importance dans la chaîne, en fait. C'est le moindre impact qu'on parlait de cyano, mais tout ça, ça suit comme. Bon, du coup, c'est la même chose, c'est que ça suit et chaque espèce qui est impactée va impacter indifféremment l'autre jusqu'à l'humain. On parle de cyano. Si on se met au-dessus, mais ça reste en dessous. C'est ça. Et par exemple, la cyano, c'est pas qu'un problème dans les bacs d'aquarium, parce qu'il y en a de plus en plus dans la nature, dans des endroits. Et c'est un problème parce que ça prouve qu'on a un réchauffement, puis on a aussi une eutrophisation, trop d'éléments nutritifs et pas assez de brassage, etc. Et en fait, il y a des endroits qui meurent à cause de la cyanobactérie. Et ça peut être un vrai problème de santé publique aux États-Unis et dans d'autres endroits. On avait même vu à Neuchâtel ici. Oui, Donc, c'est pas que simplement. Enfin, cette problématique, elle évolue, elle est visible. Malheureusement, il faut attendre qu'il y ait des décès, des pertes, des gros problèmes pour qu'on s'y intéresse. Ce qui est. C'est l'espèce humaine en globalité comme ça. Dommage. J'avais peut-être une autre question aussi, c'était comment, en professionnel, vous êtes impacté par tout ce qui est, nous particulier, par maintenant, par les CITES, l'élevage, qui ont été obligatoires, ce qui est génial d'ailleurs. Même si on... Bon, c'est bien l'élevage, c'est mieux que prendre dans les milieux naturels. Vous êtes obligé quelquefois pour montrer aussi les espèces qui disparaissent, on ne peut pas forcément tout élever comme espèce. On n'y arrive pas, on n'a pas les capacités ou les recherches, je pense. Du coup, vous êtes obligé d'en avoir quelques sauvages pour pouvoir les éduquer. Enfin, les étudier et puis arriver à ça ou pas. Oui, par exemple, la grande ligne conductrice maintenant d'Aquatis, c'est de ne pas avoir d'espèces issues de milieux naturels. Oui. Ou les rares espèces qui sont prises du milieu naturel, c'est parce que justement, c'est l'urgence absolue. Ouais. On a des exemples, par exemple, de petits tritons, de poissons. Oui, Qui sont justement là, c'est que si on les laisse, il n'y en a plus. Donc, vous êtes obligé de pouvoir étudier et essayer c'est de... en partenariat avec d'autres parcs zoologiques. Oui, bien sûr, autorités. C'est un certificat officiel. C'est-à-dire c'est que c'est pas compliqué. Juste pour le plaisir d'avoir ces animaux, au contraire. Et après, le but, c'est aussi de les remettre. Ouais. Parce que... Mais c'est quelque chose qui est super important. Et toute la face cachée de votre métier, en fait. Exactement. Alors, on essaie de la montrer de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est qui est assez récent, parce que c'est vrai qu'au début, les zoos étaient beaucoup de l'exhibition d'animaux, mais c'est vrai que maintenant, en tout cas, dans la partie des zoos scientifiques, puis surtout l'Association européenne des zoos aquariums, par exemple, etc., les principales choses, c'est l'éducation, la recherche, la conservation. Ouais. Et donc, en fait, c'est très important de participer à protéger ces espèces. Et les parcs zoologiques sont parmi les plus gros contributeurs à ce niveau-là, pour beaucoup d'espèces très différentes. Après, bien sûr, ils se battent aussi contre le trafic, parce que du coup, on parle de CITES, pourquoi est-ce qu'on doit avoir un papier pour tel corail ou tel animal? C'est pour prouver qu'il ne vient pas d'un commerce illégal. Mais ça peut être extrêmement lourd administrativement parlant, même pour les parcs zoologiques et les professionnels de la banque, pas que les privés. Et du coup, bien sûr, il peut toujours y avoir dans toutes ces grandes listes, dans toutes ces grandes décisions, des incohérences qui sont pas forcément qui reflètent pas forcément le... Ils essayent de faire au mieux, mais c'est pas forcément évident d'être toujours aussi exact sur toutes les possibilités. Je sais pas, ça peut évoluer avec le temps, aussi, c'est peut-être un premier jet, puis ça a évolué, ça permet aussi peut-être d'ajouter d'autres espèces qui vont peut-être du coup pris d'assaut par le grand public, suite au film Dory, Nemo, Dory, tous ces poissons-là qui ont fait la une et malheureusement ont fini des fois mal, puisqu'on parlait d'un quelque chose que vous avez parlé là-bas, c'est que les gens achètent des fois des poissons pour leur fonction, laveur de carreaux en eau douce, connu, le pléco, l'ancistrus. C'est pas son rôle, les poissons loches pour les escargots, qui sont pas adaptés au volume et prennent ça sans. Et ça arrive aussi dans ce côté croyance, en fait, qu'on veut faire comme dans les films ou comme des dessins animés, où c'est le laveur de carreaux, il faut seulement avoir le laveur de carreaux. Et vous avez aussi le rôle de montrer que si le poisson n'a pas forcément une fonction, c'est un être vivant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors,
personnellement, à titre privé, j'avais pendant longtemps aussi pas mal d'aquariums, etc. Donc j'ai aussi pu voir un peu ce qu'on me suggérait dans certaines pour mes problèmes. Et l'un des gros soucis, c'est qu'effectivement, par défaut, alors si on parle plus typiquement du côté récifal, par exemple, j'ai un problème, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, il faut que tu prennes ce crabe, ce poisson, ce labre, ce truc. Je la valonia, le nitrax. Voilà, exactement. Puis les panères, ça peut faire des gros ravages parce qu'il y a des animaux qui sont pris par dizaines de milliers parce que les gens les veulent. Donc c'est vrai que c'est un souci. Et on a aussi un autre côté du récifal qui est pas super subtil, qu'on voit tous les jours dans les forums ou autres, c'est la chasse aux sorcières des indésirables. Et ces deux réunis, c'est un combo qui peut être absolument triste parce que on a des animaux qui sont pris et qu'on met pour une fonction et que du coup cet animal aura beaucoup d'autres besoins. Que ça. Une fois qu'il a mangé la chose en question, est-ce que c'est sa nourriture de base? Donc est-ce qu'il va mourir? Il va devenir beaucoup plus gros peut-être, c'est pour certains. Il est beaucoup plus délicat. Voilà. La crevette d'Arlequin qui est un exemple qu'on a plus d'Astérina, s'il n'y a plus quoi la nourrir. C'est ça. Donc on prend un animal qui finalement après est jetable. Techniquement, c'est compliqué si on se dit passionné du coup de devoir penser comme ça. On veut penser peut-être en mode boutique, en mode vitrine, là où il faut plutôt réfléchir que tous ces animaux interagissent au sein d'un écosystème qu'on pourra reproduire qu'une fraction en captivité, mais au moins ne pas les priver de certaines choses essentielles, typiquement les indésirables. Est-ce que je vire ce crabe? Est-ce que je vire ce ver, cette crevette, etc. Et c'est fou parce que les gens veulent reproduire un bout de nature chez eux. Mais ils ne sont pas prêts à accepter. Mais sans accepter tout ce qui fait une partie de cette nature, en fait. Et ça, c'est triste. Donc, des fois, on se met plus de soucis et de problèmes à essayer d'enlever ou de régler le problème que de le laisser tranquille. ça arrive beaucoup. J'ai des gens qui me regardaient bizarrement en disant « Je nourris mes vers de feu ». Mais pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Mais s'ils ont faim, mais ils ne vont pas manger le reste. Et pourquoi un crabe s'attaque à un corail en particulier alors qu'il pourrait avoir un bout de moule? C'est meilleur, facilité. Le bout de moule en général a largement l'aval du crabe, simplement que le corail, c'est un peu par défaut ce qu'il va prendre parce que s'il a faim. Donc en fait, c'est aussi ça, accepter qu'il y ait des touristes dans notre aquarium qui vivent là et qui participent souvent au bien-être de l'aquarium sans forcément être des monstres. De temps en temps, effectivement, c'est un gros prédateur vicieux. Ouais, une belle ulisse, ça fait... Là, effectivement, la négociation peut être un peu plus compliquée. mais autrement, d'essayer de dire, cet animal, est-ce que j'ai vraiment besoin d'enlever des algues partout? Est-ce que je prends un chirurgien pour enlever des algues? Qui sera peut-être malheureux? Est-ce que j'ai le bon volume? Est-ce que finalement, racler ma vie ne serait pas plus judicieux? Même si je vais mettre les mains dedans un peu plus souvent. Ce qu'on dit souvent à l'aquarium, c'est qu'il n'existe aucun poisson nettoyeur. Le seul nettoyeur de l'aquarium, c'est le propriétaire de l'aquarium. C'est le mec qui le regarde à travers. C'est ça, exactement. typiquement, on parlait des plécos, de ces grands poissons. Lécheurs de vitres, comme ils disent. Beaucoup sont petits comme ça. Le pléco, certains deviennent gros, déjà. Le pléco, généralement, c'est la famille des poissons qui viennent le plus gros, c'est ancestrus, en eau douce, qui est pas plus mal, qui reste une espèce petite, même si elle est mal vendue, encore une fois, parce qu'elle est vendue comme espèce de laveur de vitres, de carreaux, de décor. Mais ça, on a déjà pu évoluer. Quelques temps en France, on vendait le pléco qui fait 10 cm et qui finit à 50-70 cm dans la taille adaptée, sans problème, et qui vit bien longtemps. Mais ça reste dommage, ça reste la même vision que de poisson rouge qu'on va mettre dans son 30 litres avec sa décor en plastique, mais va très bien au poisson rouge. Ouais, ça vit dans beaucoup plus. Ouais, mais je l'ai tenu 5 ans. Ouais, ça vit 20 ans. Ouais, mais il faisait 10 cm. Ouais, ça peut faire... On peut aller loin comme ça. Et c'est peut-être le manque de renseignements ou de curiosité, parce qu'on dit que c'est qu'un poisson, finalement, c'est pas très grave. Mais ça dépend de l'importance qu'on peut donner aux animaux, finalement. On va peut-être respecter le chien, le chat, parce que c'est notre compagnon et de la donner de l'amour. Mais le poisson, on va s'en foutre et c'est dommage de penser comme ça. Tous les animaux, on n'est pas là pour rien. Ils sont pas dans les sinon ils n'existeraient plus, ça se disparaît. Tout ce qui est inutile à la planète disparaît assez rapidement si on n'est pas impacté par nous. Attention, Je vais pas dire que ce qui est les animaux sans disparaître, c'est très bien, non. Mais sur l'homme, on a perdu beaucoup de pilosité parce que c'était plus utile. Et les planètes, je pense qu'il y a des animaux qui ont pu évoluer, qui ont perdu beaucoup de fonctions parce que c'était plus utile dans l'environnement. Et c'est dommage de penser que chaque espèce est nuisible et pas prendre le temps de l'apprendre et donner un environnement adéquat. Parce que c'est un poisson, parce que c'est une araignée ou un reptile ou
je sais pas. Personnellement, j'adore ici à l'aquarium pouvoir montrer des tailles de certains gros poissons qui, des fois, avant, elles vont dire en aquarium tout petit. Et voilà, ça, c'est la taille qu'il peut atteindre. Et en fait, c'est assez impressionnant pour les gens. Et puis, effectivement, oh quoi, il a 30 ans, ce poisson. Oui. c'est exactement ça. C'est des animaux qui ont des besoins particuliers, qui ont... Il y a beaucoup, beaucoup de fausses idées qui circulent encore sur Internet. Des idées qui ont la peau dure. L'aquarium, le poisson va s'adapter à la taille de l'aquarium, des choses comme ça. Le poisson a une mémoire de 7 secondes ou... Pas du tout. Mais ça permet un peu de justifier, de dire bah, il est tout seul dans son bac, c'est pas grave. Ça a poisson, c'est une mémoire de 7 secondes. Par contre, c'est capable de remonter des rivières et des océans, de la mer pour aller se reproduire. Mais ouais. 7 secondes seulement. Je vais donner exemple très bête que tout le monde peut vérifier n'importe quand avec n'importe quel aquarium. Quand on donne à manger, beaucoup de poissons viennent parce qu'ils sont très curieux. Le jour suivant, ils anticipent qu'on va leur donner à manger. Comment ça se fait qu'ils se rappellent de ça si c'était 7 secondes? Déjà, rien que là, on a la preuve que c'est au moins un jour. Mais c'est des années. En tout cas, plus de 9 mois minimum pour beaucoup de poissons. Donc voilà. Et j'avais une question, une petite dernière question qui était quel serait le rêve d'une espèce à maintenir chez Aquatis? Je pense que emblématique pour vous, je sais pas qui. Alors, une espèce en particulier, soit les reptiles, poissons, je sais pas. Alors on va dire qu'on est plusieurs à avoir des oui. jolies idées. Entre la faisabilité, la folie, etc. Il y a toujours des espèces qui sont un peu waouh, super. Après, bon, faut rester un peu les pieds sur terre. Oui, oui. Mais on a des projets assez jolis de pouvoir montrer des espèces rares. Il y a des espèces menacées malheureusement avec des petits bijoux qui sont faits peu connus du grand public. Puis l'un des projets, ça pourrait être des animaux qui vivent littéralement à l'autre bout de la planète, donc plutôt du côté de l'Océanie. Certaines espèces assez cool. Certains lézards particuliers, rares, des geckos, des espèces comme ça, qui sont belles, qui sont peu connues, et qui sont, qui méritent leur moment de gloire, en fait. Leur moment de gloire, et afin de les protéger aussi. Voilà, c'est ça. Parce que comment est-ce qu'on veut aimer et protéger si on ne les connaît pas? C'est ça qui est aussi important, c'est de mettre le point sur ces espèces. Alors, il y a des espèces phares qui sont utilisées dans la conservation, les tigres, les gorilles, les requins, etc. Mais il y a d'autres espèces, justement, qui bénéficieraient aussi d'avoir leur petit moment de gloire aussi, parce que comment est-ce qu'on peut se dire qu'on veut inciter les gens à protéger si, finalement, on n'en a aucune idée? Oui. Aucune idée. On fait même des désensibilisations aux araignées pour dire à quel point les araignées sont choux, sont mignonnes, sont sympathiques. On a tous peur de l'araignée en Europe, la tégénaire, bien connue, bien grosse, bien poilue, pourtant qui veut juste passer voir sa femelle. Généralement, si vous pouvez promener, c'est le mâle qui cherche sa femelle, parce que la femelle, elle est terrée à un endroit de chez vous, vous ne la verrez pas, sauf si vous avez fait le ménage dans ce coin-là. Et la tégénaire, elle est normalement en particulier l'incapacité de transpercer votre peau, donc vous faire des piqûres d'araignées, comme on dit, des morsures. Et c'est une. Pour revenir, je ne suis pas un bon là-dessus, mais une araignée, c'est comme si vous avez une fourchette, deux fourchettes avec ces deux calicères, et vous dites soit vous attaquez, soit vous mangez. Et vous n'avez pas votre fourchette pendant un mois, vous n'aurez pas d'autre. Hein. Une fois que vous l'avez bouffée, pour vous défendre ou pour manger, vous ne l'avez plus. Bah, vous préférez plutôt fuir le danger et pouvoir garder cette possibilité de manger qu'essayer d'attaquer tout de suite. Oui, et puis il y a des combats qui sont perdus d'avance. Un petit peu comme si nous, on prenait le couteau suisse face à Godzilla, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, j'attaque. Je fonce. Ben dans un film, si quelqu'un attaque Godzilla, on dit c'est un film idiot avec un scénario pas terrible. Ben, l'araignée, c'est exactement dit la même chose. En général, c'est un scénario plutôt mais nul. Donc beaucoup d'animaux fuient le danger. Mais comme nous, d'ailleurs, on fuit le danger la plupart du temps. On évite aussi. Hein. Vous mettez face à un ours, finalement, on ferait demi-tour, hein, naturellement. Ça peut être une bonne idée. Enfin, normalement, c'est une bonne idée. Beaucoup d'experts ours diront ouais, fuyez. Laissez tranquille une maman grizzly avec ses bébés, ça peut plutôt être assez indiqué, on va dire. C'est intuitif, mais ça, c'est intuitif. On va dire qu'en général, les signaux sont assez faciles à comprendre, voilà, moins oui, subtils. C'est important. Mais... Du coup, il y a beaucoup d'animaux peu connus à l'autre bout de la planète qui ne seraient pas forcément des animaux phares qu'on peut s'attendre à voir. Bah, justement, c'est ça qui est. On a déjà certaines espèces un peu emblématique, charismatique, le dragon de Komodo en est une par exemple, et elle permet de faire passer des super... Bon, même lui est menacé malheureusement, mais elle permet de faire passer certains messages, mais d'autres bah, bénéficieraient aussi un petit peu de notoriété, parce que bah, le poisson le plus rare de Suisse, on en parle ici, mais l'immense majorité des gens, ah c'est juste le titre, hein, c'est normal, ne le connaissent pas avant de venir là. Puis du coup, bah, c'est un peu notre rôle de sensibiliser les gens à nos petites richesses aussi là, pas forcément local. Aussi à l'autre bout du monde. Local, il y a aussi des animaux à c'est protéger. Ça. On fait des choses avec des salamandres, on protège des espèces qui sont ici, oui. Des tritons, des choses comme ça, parce que
Ben finalement, si nous on le fait pas, qui le fait? Bah peut-être le zoo à l'autre bout du monde qui va parler de chez vous. Exactement. Bah, c'est bah à part c'est... ça, il y a des trafics d'espèces de chez nous qui vont à l'autre bout du monde. Les vipères par exemple. Oui. Les vipères de Suisse sont souvent exportées en Russie, en Chine, aux États-Unis parce qu'elles sont belles. Oui. Et puis quand on parle de trafic international d'espèces, on pense aux perroquets, on pense aux reptiles d'Afrique, on pense à ce genre d'animaux-là. Mais les espèces européennes se font aussi. Oui, on pense général que c'est chez les autres et finalement, on même pas localement, c'est pour être. Petite astuce pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voyez une belle vipère avec des belles couleurs, etc., ne mettez pas sa localisation exacte. Vous pouvez dire c'est dans le canton de Vaud, mais c'est déjà assez large. Parce que le problème, c'est que des gens vont des fois sur les réseaux sociaux ou sur chercher les groupes, justement. Et ils disent ah, elle est là, et ils veulent aller la chercher parce que c'est hyper. Casanier, ça reste dans un petit territoire. Ouais, donc on va toujours la trouver au même endroit. Et donc en fait, le problème, c'est que des gens en font du trafic, c'est monstrueux. C'est une bonne technique. Ça évitera aussi que les gens foncent tout n'importe quoi avec notre biotope, notre biodiversité locale. Et quand il y a des nids aussi d'espèces sensibles, certains oiseaux par exemple ou autres, ils ne le disent pas. Ils ne vont pas le dire parce que malheureusement, il y a plein de gens qui sont bien intentionnés et il y a des autres qui veulent absolument le cliché ou n'importe et tout. Et ça peut ruiner tout plein d'efforts de conservation parce qu'on a voulu faire un truc fun. Donc, la photo. À nous d'être un petit peu responsables aussi si on veut continuer à être sur une belle planète, à partager avec beaucoup d'espèces et pas juste avoir. Ce serait le moment qu'on arrive à tous faire quelque chose de bien. Mais on peut. On a les moyens. Il y a plein d'exemples, c'est ça qui est cool. On parle que du mauvais, mais il y a des zoos qui sont là pour donner aussi le bon exemple. Il y a des particuliers qui font des actions de fou. C'est ça, on peut. Il y a plein de moyens que le récifaliste, quelque part aussi, est là pour essayer de protéger, avoir sa petite vitrine. C'est aussi quelque part qui s'intéresse au milieu marin. Du coup, peut-être sensibiliser un peu plus que la personne lambda qui s'en fout, ou l'aquariophile aussi. Normalement, en globalité, ils sont tous plus intéressés à l'environnement que celui qui n'a pas de poisson, qui s'en fout, qui... Bon. Je pense qu'il est plus intéressé, donc déjà peut-être un peu plus sensible. C'est quand on s'intéresse à quelque chose qu'on devient sensible à cette chose-là, à mon sens. Bah oui, totalement. Bah, je rejoins cet avis-là complètement. Si on est passionné par quelque chose, on a envie de le protéger en général et que ça. Et le montrer. plusieurs personnes qui ont par exemple un aquarium marin à la maison, il y en a pas mal qui apprécient d'aller plonger en mer pour voir réellement. Directement. Parce qu'ils adorent ce genre de milieu. Et si on commence à dire dans 15 ans il n'y a plus ça, ça fait réfléchir. Parce que. Non, on peut tous agir à notre niveau. Après, à quel point est-ce qu'on est capable de remettre en équilibre notre confort de vie personnel par rapport à ce que ça impacterait sur notre... c'est toujours pareil. C'est... On peut. Il faut juste que se donner parfois les moyens. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est une fois face au mur qu'on réagit. Après, il y a des manières, des sociétés comme ça qui nous laissent plus de liberté que d'autres à ce niveau-là. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix ou que c'est difficile. Ça, c'est clairement un des facteurs. Mais pour certaines choses, on peut... On peut. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage, de ta visite, de tout ça. C'était vraiment intéressant. J'ai appris personnellement beaucoup de choses. C'était juste magnifique. J'ai vu des espèces que j'avais même pas vues. Pourtant, j'adore le milieu aquatique en globalité. Hein. Je suis un grand fan de pêche à la mouche. Je suis un grand fan d'aquariophilie depuis des années. Je regarde beaucoup de tutos. Je regarde beaucoup de vidéos de plongée, de reportages. C'est un milieu qui m'hypnotise. Et j'ai trouvé ce truc-là dans chez Aquatis que je n'avais pas vu depuis quelques temps. Où j'ai envie de m'allonger au milieu de tout là, et pas bouger, et rester taper ma meilleure nuit là, devant tout. Et c'est très agréable, et on apprend beaucoup de choses, et puis l'accueil est juste génial, donc merci beaucoup. Merci pour tout, encore une fois, et je vous invite à aller voir, venir visiter Aquatis, que vous soyez en vacances, visiter la région de la Suisse, c'est grand, c'est beaucoup d'endroits à visiter, c'est assez joli. Et vous avez Aquatis d'ailleurs, ça en fait une bonne occasion. Bah, au plaisir de vous accueillir, et puis c'était un plaisir d'accueillir tout le groupe et puis de partager un petit peu de cette passion pour le monde vivant parce que c'est plus que le récifal du coup, mais ça englobe tout encore une fois je pense. Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était Reef Story, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.